La générosité ne se calcule pas d'après l'abondance du patrimoine, mais d'après la disposition à donner. C'est pourquoi la parole du Seigneur fait préférer à tous cette veuve dont il est dit « elle a donné plus que tous ». Luc 21, 1, 4. Au sens moral, le Seigneur apprend à tout le monde qu'il ne faut pas se laisser détourner de faire le bien par la honte de la pauvreté, et que les riches n'ont pas à se glorifier parce qu'ils semblent donner plus que les pauvres. Une petite pièce prise sur peu de biens l'emporte sur un trésor tiré de l'abondance. On ne calcule pas ce qui est donné, mais ce qui reste. Personne n'a donné davantage que celle qui n'a rien gardé pour elle. Grande assurément cette femme qui a mérité d'être préférée à tous par le jugement de Dieu. Personne donc n'a fait davantage et aucun n'a pu égaler la grandeur de son don, puisqu'elle a uni la foi à la miséricorde. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela... pour leur faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Évangile selon saint Luc 21, 1, 4. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras.